Eh bien, salut tout le monde, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Zelda Skyward Sword. L'épisode 7, 8, 8, si je dis pas de bêtises. Eh oui, déjà, ça monte, mine de rien. Épisode 8, on est toujours dans la forêt de Firon. La dernière fois, on s'était un petit peu baladé, on avait vraiment tout exploré, récupéré pas mal de rubis, commencé à localiser la position des Tickwiz, et on avait essayé de récupérer également ce cube. Alors, ce cube, vous avez été nombreux à me confirmer que c'était pour plus tard, effectivement. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était pour maintenant, mais ce n'est pas le cas, donc on le récupérera plus tard, c'est pas grave. Et puis, nous avions fait la connaissance du gros, c'est un mélange entre le roi et le gros, bah du gros Tikwi, un peu gros paresseux là, qui a apparemment des informations sur Zelda, mais il ne veut pas nous les donner tant qu'on n'aura pas ramené, ramené ou en tout cas retrouvé tous les Tikwis. Donc, on a... Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, on a le signal des Tikwi. Et il va falloir qu'on les retrouve. Donc on va pas perdre de temps, on va directement aller les retrouver. Déjà on sait où est-ce qu'il y en a un. Ah oui, non mais attends, mais toi en fait tu comptes pour qui toi? Mince, j'ai bu un truc. Quel idiot. J'ai bu. Oh quel idiot. Oh le boulet. J'ai bu ma potion, super. Je me suis planté, j'ai voulu l'arranger, je l'ai bu. Bon, bah c'est pas grave. Tant pis, on fera sans. Toi, non c'est bon, tu comptes pas comme étant un signal. Donc le signal est par là-bas, parfait. Ah le couillon quoi, j'ai bu ma potion. Bon. M'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Hein, c'est pas bien grave. Alors, celui qu'on détecte, ça doit certainement être celui qu'on avait vu. C'était juste après là. On va tout de suite aller voir. On va grimper. Voilà. Et il est normalement... Ouais, il est là-haut. C'est... What? Il est là-haut? Normalement, il y en a un là-haut aussi. Ah, c'est peut-être pas les mêmes. Ouais, ça doit pas être les mêmes, justement. Parce que je sais que lui se trouve là. Je sais où se trouve un autre, également, qu'on avait rapidement vu. C'est peut-être pas le... C'est peut-être pas les seuls. Et je me souviens pas non plus de... Oula, attendez, attendez. On va attendre que notre... Notre endurance remonte. Voilà, c'est bon. Parce que à tous les coups, on va en oublier un, sinon. Hop, vas-y. Bah alors. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Donc c'était hop, hop. Lâche. Il était où le Tikwiz? Il était là, non? Eh oui, il est là. Bonjour. Alors, comment je le... Oui, c'est lui, mais comment... Comment je m'y prends pour plus qu'il ait peur? Mince alors, peut-être que je casse toutes les herbes. Ouais. C'est pas ça. On dirait qu'il va aller se planquer dans les herbes. On va péter toutes les herbes. Bon, en même temps, on obtient des rubis, c'est plutôt cool. Alors, vous constaterez aussi qu'au niveau de la bourse, on peut avoir déjà masse de rubis. Hein. Ah voilà, là c'est bon, on peut lui parler. Oh la tête! Comment tu m'as trouvé? J'étais si bien caché. Mon petit nom, c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette après le Vénérable. Ah, le Vénérable, voilà. J'avais oublié son nom. J'ai marqué la position du Tikwi Basile. Cependant, la fonction détection semble indiquer la présence d'autres Tikwis. Très bien. Tu as vu le Vénérable? Waouh! Tu l'as trouvé aussi? Si tu le revois, dis-lui que je suis ici. Oui, y a pas de souci, on lui dira que t'es ici, mon gars. Bon, alors, au niveau de la... Il y en a toujours un par là-bas, hein, d'après lui. Alors lui, par contre, pour le coup, on sait pas vraiment où il est. Enfin, on sait pas vraiment où il est. On l'a pas vu une première fois. On va falloir un petit peu zioter ça. Il serait là. C'est lui? Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il est? Il serait pas planqué sous ce genre de truc, quand même. Où est-ce qu'il est après? Il est peut-être planqué dans ses herbes? Non. D'après lui, il est là. Alors, encore au-dessus peut-être? Il y en aurait un dans cette zone. Ah! Hop!
Eh bah non. Où il est l'enfoiré? On l'a perdu de vue. Il est là, ok. Bon alors ça voudrait dire que... Ah bah oui d'accord, ok. On était bon en fait. Il était dans un petit endroit planqué. Bonjour. Hey, hey. Je suis pas bon à manger. Je vaux pas un radis, laisse-moi filer. Le vénérable se fait du souci pour moi? Content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Moi, c'est Romar. Si tu vois le vénérable, dis-lui que j'amasse ma mousse ici. Il y a encore du danger par ici. Je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. Parfait. Adieu. J'adore les bruits. J'ai marqué la position du Tikwi Romar. Cependant, la fonction détection semble indiquer la présence d'autres Tikwis. Oui, il n'y a pas de problème. On va aller chercher le dernier. On sait où il est. Ah, me fais pas peur comme ça. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé. Bon, je peux sauter de là. Oui, je peux sauter. Donc, normalement, il doit en rester plus qu'un. Qui est vers là-bas. Voilà, voilà, c'est bon. On sait où il est, celui-là. Il n'y a pas de souci. On l'avait vu de loin la dernière fois. Donc, on va grimper. D'ailleurs, certains m'ont dit un truc. Ça va être rigolo. Voilà. Boum, tu le prends. Tu te mets là. Et là, tu le poses. Au revoir, monsieur. Zut, attendez. Go. Boum. Vengeance. Voilà. Bon, alors, le dernier se trouverait... Il faut que je passe par-dessus, là. Il faut que je passe... Il faut que je passe par cette corde. Le problème étant que, ouais, il y a eux. Alors, lui, il va falloir que je le dégage. Déjà, il faut que je grimpe. Pour grimper, il faut que je repasse par le vénérable. On n'est pas arrivé, les amis. On n'est pas arrivé, on va faire le petit chemin. Hop. Tranquillement. Normalement, on a des raccourcis, donc ça devrait aller. Oui, voilà. On a même un raccourci pour retourner encore au tout début. Ça, pour le coup, c'est pas la peine. On va prendre. Ah, ouais, donc il va me le redire à chaque fois que j'ai une perle d'or, moi. Oui, très bien, très bien. Si tu veux, ça fait déjà ma troisième. C'est pas qu'il y en a un peu beaucoup maintenant, mais... Un petit peu, hein. Tout petit peu. On va passer par là. Donc là, il va falloir que j'ouvre tout. Hop, 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 hop. Et bon, je peux passer. J'adore les cascades derrière en fond. Je trouve ça super, super stylé, quoi. Je trouve ça super beau. Je peux pas passer par là. Non, je peux pas passer par là, dommage. Ça aurait été un bon raccourci, mais... Ils veulent pas. Allez, go! Voilà. Donc, on vient pas de parler tout de suite, on n'a pas terminé, on va prendre... On va prendre le dernier. Ah oui, c'est vrai qu'il faut grimper et tout, quoi. J'avais oublié. Ça, si je le casse... Ça me donne rien. Très bien. Et donc, le dernier... Se trouve dans cette zone, là-bas. Ça ne marche pas. Comment je peux me débarrasser de ça? Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ok, donc on passe, on garde l'équilibre. Avec la Wiimote, c'est chaud. Je sais pas si c'est le seul chemin par lequel je pouvais aller récupérer ce Tikwiz là. Enfin, ce Tikwiz, ce Tikwi. J'ai tendance à dire Tikwiz quand il y en a plusieurs, mais... Peut-être une erreur. Alors, voyons voir. Cette zone, on n'y est encore jamais allé. Et non, c'est bel et bien une zone fermée. Puis laquelle on n'aurait pu rien faire. Alors, toi, mon gars. Oula. Bonjour. Ah. Wow. Bim. Oh, là, je leur ai fait mal. Oh, oui. Oh, ce combo là, je les ai déglingués. C'était violent. Tikwi. Bonjour mon petit. Bonjour, c'est moi. Salut. T'as battu tous les bonhommes rouges. T'es un justicier. J'ai les racines qui flagellent. Je peux pas descendre. Tu veux pas m'aider? Ouais, on pourrait. Je ne détecte plus la présence de monstres dans cette zone. Faire tomber le Tikwi de son arbre ne présente donc pas de danger. Il ne semble pas pouvoir bouger par lui-même. Il vous faut penser à un autre moyen. Vous pouvez consulter à tout moment la liste des actions possibles en appuyant sur 2. T'inquiète, juste avant... Ouais, celui-là, je l'ai vu. Hop, et on va prendre également le petit cœur. Et derrière, du coup... Boum! Voilà. Désolé, mon petit, c'est un peu radical comme façon de faire, mais au moins, ça marche.
fenouille. Aïe, ça fait mal. Mais merci de m'avoir aidé. Le vénérable s'inquiète pour moi. Content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Je m'appelle Jasmine. Si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici. J'ai encore les racines qui tremblent. C'est bon? La fonction détection ne réagit plus à aucune aura dans les environs. Je vous recommande de retourner auprès du vénérable pour obtenir d'autres informations. Parfait. Ah, ne me fais pas peur comme ça, j'ai encore cru que c'était un monstre. Mais non. T'inquiète mon gars. Bon. Eh bien c'est parfait. Ah, alors regardez, j'ai ça qui est descendu maintenant, on va le saisir. Parce que du coup, voilà, j'ai possibilité d'avoir un raccourci. Alors pour ça, faut que je me balance. Il y a la liane qui est tombée, ça va être très pratique. Et... Ok. Parfait. Ah voilà, regardez où on est. On revient juste ici. On déplace ça. Et on a notre raccourci pour la suite. Parfait. Hop, on descend. Et du coup, on va voir le vénérable. Le fameux petit vénérable. C'est relou lui aussi, il a pas énormément de raccourcis. Ce serait bien qu'il y ait une corde là, genre poup. Mais non. Je me refasse le tour à chaque fois. Enfin, je crois bien hein, qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas d'autres raccourcis. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je m'embête. Hop. Mais... Non, j'en vois pas en tout cas, donc... Je suppose bien que c'est le seul chemin. Hop, on va bientôt tomber à court d'endurance. Voilà. Et non, c'est là. Allez, run! Parfait. Bonjour, on a réussi. Oh oh, tout le monde va bien. Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te remercie. Maintenant que je suis rassuré, je me souviens par où est partie ton amie. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et est allée quand même. Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple. Mais attention aux monstres qui rôdent. Oh, mais attends. Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. Attention là-dessous. Oh la vache, quoi. Le gros plein de soupe. Bim. Yeah, on peut aller le chercher. Serre-toi de moi comme un marchepied et prends-le. Hop là! Vous avez obtenu le lance-pierre. Il vous permet de tirer des graines mojo qui hébètent vos ennemis. Si lorsque vous l'utilisez, vous avez du mal à viser, recentrez le curseur en appuyant sur... sur croix. Yeah! Donc nous avons notre première arme, le lance-pierre. Et ça, c'est la classe. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple au cœur de la forêt. Ah oui, ça y est, je me souviens. Pour commencer, essaye de viser cette liane en tortillée. Sors ton lance-pierre avec B, puis tire en appuyant sur A. Si tu es à court de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. Puisses-tu trouver ton ami? Oh oh! Ok, donc normalement, si je sors ça et que je vise, donc ça... Non mince. C'est tir avec A. Tout ça, évidemment, c'est fait à la Wiimote. Et voilà, ça marche et ça nous déplie une liane. Parfait. Du coup. Hop, alors par contre, évidemment, pour trouver... Raté. Ah, Julien. Pour trouver des graines... Je sais plus comment on obtient les graines, en fait. Je devrais me recalibrer à chaque fois, parce que là, regardez, je suis obligé de me farcir le tour. Je sais même pas en fait si ça nous mène à un endroit particulier ça ou si c'était juste un retour. Bah, c'était peut-être juste un raccourci et là je m'embête ouais. A tous les coups c'est ça vous allez voir. Vas-y, saute. Go. Voilà, et là du coup. Run.
Et oui, c'était juste un raccourci, je me suis embêté pour rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a le lance-pierre, c'est cool parce que ça va nous permettre, on va voir si on a le temps aujourd'hui, mais peut-être, pourquoi pas, de retourner à Célestbourg en vitesse pour essayer de toquer le marchand qui vole. Maintenant que j'ai le lance-pierre, je devrais pouvoir normalement l'appâter. Et oui, les amis. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour le moment, nous avons le lance-pierre et donc, voilà, on l'avait vu ici, il y en a une. Non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, hop. Parfait. Et donc, on peut poursuivre vers, a priori, ce qui semble être le temple. Maître Link, voici des informations à propos de l'utilisation de vos objets. En appuyant brièvement sur B, vous vous apprêterez à tirer au lance-pierre, puisqu'il s'agit du dernier objet que vous ayez utilisé. Si vous n'arrivez pas à viser correctement, recentrez le viseur en pointant la télécommande Wii vers l'écran et en appuyant sur bas. Très bien, pas de problème. Alors, du coup, saisir. Hop, on va grimper un petit peu et on va se balancer. Hop, encore un coup. Parfait. Et du coup, direction le temple. Oula. On vient de voir quelque chose de pas très jojo là, les amis. Gros cliffhanger juste après être rentré. Ça ne dit rien qui vaille. Waouh. Bon, du coup on arrive au cœur de la forêt. Oui, mine de rien, il y a pas mal de zones différentes. Hein. Alors, le cœur de la forêt, nous y sommes. Il y a la forêt de Firon juste derrière nous. La végétation est identique à celle de la forêt de Firon. Nous sommes très probablement au cœur de la forêt. Dame Zelda s'est dirigée vers le temple. Reprenons les recherches. Avec plaisir, ma petite. Alors... Ah, alors, du coup, normalement... Vous voyez, je peux leur tirer dessus si je veux. Bon, on va éviter, mais... Vous voyez, dans l'idée, je peux... Techniquement... Oh ! Ils se font attaquer par... Ils se font attaquer par des abeilles ? Pourquoi déjà ? C'est moi qui ai déclenché ça en lui tirant dessus ? Ça, je vous avoue, je sais plus. Fonction détection. Quoi, fonction détection ? Oui, apparemment, c'est vers là-bas. C'est cool. Cool ta life. Si je tire là-dessus... Raté. Mince, j'ai raté une. Aïe, aïe, aïe. Je peux rien faire. Elles vont me buter. Merde. J'aurais jamais dû faire ça. C'est bon, elles m'ont lâché. Ouais, elles m'ont lâché. Tu j'aurais jamais dû faire ça. Et en plus, j'ai rien obtenu. C'était bien la peine, quoi. Oh mais mince quoi, bon on a vu qu'il y avait un raccourci de l'autre côté si jamais. Faudra aller voir. Comment, la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on réobtient des graines déjà. Hop. Allez. Voilà, adieu. Peut-être comme ça on obtient des graines. Oui voilà des graines. Parfait. Vous avez obtenu 5 graines mojo, vous pouvez lancer ces petites graines avec votre lance-pierre. Ok. Ah mais oui, regardez. En fait, il faut qu'on détruise ça pour pouvoir passer. Donc là, évidemment, elles sont pas contentes. Je vais me barrer un peu. Elles m'ont suivi. Barrez-vous. Non. Je me barre complètement. C'est bon, voilà, elles se barrent. Je sais pas s'il y a un moyen de les dégager plus simplement. Peut-être en leur tirant dessus, non? Tout simplement, je sais pas. Bon, on verra. Dans tous les cas, ouh, il y a un petit coffre sur la droite. Non, non, garde l'équilibre. Link, ah! Crap. On n'est pas arrivé, hein. Vous pouvez le voir. Link, il veut pas. J'ai beau mettre ma Wiimote bien, il penche complètement. Attendez, j'ai un problème là. Il faut que. Ça veut dire que je la recalibre ou quoi, mais. Arrête! Link, qu'est-ce qu'il me fait, sérieusement? J'ai beau la mettre bien. Ah ça y est, c'est bon. Je me suis un peu rapproché. Non non, maintenant c'est dans l'autre sens. Je vous jure, là c'est pas moi hein. Je tiens bien la Wiimote droite. Il me fait n'importe quoi.
C'est pas rassurant étant donné que... Allez. Ah mais sérieusement, ah je suis désolé, alors là je suis vraiment désolé. Allez. Comment on... Attendez, comment on recalibre? Non, c'est pas recentré que je veux faire. Ah! En plus j'ai l'autre qui arrive là. Il est sérieux? Ok, vas-y, salut. Ah là 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 là, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Grimpe. Voilà. Bon, je suis vraiment... Regardez. Il me... Vous voyez, enfin... Il me la mettait tout seul vers la gauche. C'est bizarre ce qui s'est passé. C'est très 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 bizarre. Bon. Hop, déplace ça. Ça nous fait un petit raccourci pour la suite. On dit pas non. Et ensuite... Hop. On poursuit. Oh, regardez le goron qui se trouve là-bas. Alors. Barre-toi, toi. Voilà, un petit rubis bleu. On va aller là. Parce que il y a pas mal de choses à voir. On explore vraiment toute la zone. Il y a des petits coffres à récupérer. C'est sympa. J'espère juste ne pas avoir le même souci ici. Parce que sinon... Alors là, du coup, je vais me servir de ça. Pour les dégager. Ça va, le système de visée reste assez sympa. Alors, attendez. Pas que je me foire, là. C'est bon, ça remarche. Allez comprendre, c'est sur l'autre que ça m'a fait n'importe quoi. Là, vous voyez, j'arrive à le réorienter de l'autre côté. Tout à l'heure, il ne voulait pas. Pour une raison que j'ignore. Eh, mec. Mec. Où tu vas, là? Attendez. Non. Au revoir. Salut. Voilà, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Ils sont complètement stupides. Alors. En temps, quelle idée de se... Je sais pas. Mettre juste une corde pour passer, c'est quand même... Un petit peu limite, quoi. Hein. C'est quand même sacrément dangereux. Alors, ici. Qu'est-ce qu'il y a... Barre-toi, toi. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Hormis de quoi sauvegarder? On va pas sauvegarder tout de suite. Oh, l'esquive qu'elle m'a faite. Voilà, barre-toi. Y a de quoi aller voir. J'ai du mal à viser les cordes, moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment du mal à viser les cordes. Go. Voilà, ouh, très limite. Très limite, mais on est passé. Alors, il y a notre ami le goron qui se trouve ici. Oula, alors ça... Ça, c'est une plante, mais genre qui s'ouvre de tous les côtés, en fait, quand elle attaque. Non, c'est pas ça. Ah non, elle peut s'ouvrir des deux côtés, elle est... Elle est polyvalente. Hop. Du coup... Ah, et du coup, regardez, on en a un là. On a un autre cube là-bas. Donc, ceux-là, je devrais pouvoir normalement les activer. Ah, je voulais activer ça, c'est pas grave. Attends une minute. Fais pas semblant de ne pas m'avoir remarqué. Tu m'aimes pas ou quoi? Oups, pardon. Excusez-moi, je voulais juste activer d'abord le tronc. Ah bon? Tu recherches une jeune fille et tu es pressé? Excuse-moi. Mais j'aimerais que tu m'accordes une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Attends deux secondes. Ah! Bon, d'accord. Oui, d'accord. Très bien, go, vas-y. Montre-moi ça maintenant. Du coup, ça prouve bien que je pouvais pas avoir l'autre avant. Regarde, ça, c'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel. J'ai appelé ça un cube de la déesse. On peut lire dans les écrits anciens, si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Dis, t'as pas une épée toi? Faudrait que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. D'accord. Oh merci. Ce cube est fait d'un métal que j'ai jamais vu. Il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose, l'épée des cieux et la lumière issue de sa lame. T'as pas une idée, toi? Mais si, t'inquiète. Regarde. Là, ça va marcher. Go! Boum! Jolie musique en passant. Oh!
Le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur la Terre. Essaie d'en trouver d'autres, et dis-moi si tu en apprends plus à leur sujet. Bien. Donc en fait, là, ce qui vient de se passer, je vous explique pour ceux qui... Merde. Pour ceux qui découvrent... Ah, merde! Il faut que je... Oh, le raccourci, bon, on va le refaire rapide. Pour ceux qui découvrent le jeu, en fait, ces cubes, lorsqu'on les activera, vont débloquer des coffres à Célestbourg et aux alentours de Célestbourg. Vous vous rappelez ces coffres un petit peu de la même couleur, justement, qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, ouvrir. Vous vous en rappelez? Eh ben maintenant, je vais pouvoir, en remontant à Célestbourg, si je tombe sur le bon coffre, évidemment, parce que il y aura pas, c'est pas tout le temps les mêmes. Enfin, c'est pas tout le temps les mêmes. C'est pas parce que j'en active un que n'importe lequel va s'ouvrir, c'est un spécifique. Eh bien, je pourrais... du coup, voilà, c'est bon. Je pourrais du coup avoir le contenu de ce coffre. Donc c'est plutôt pas mal, autant le dire. Alors, maintenant, je vais activer ce que j'étais venu activer au départ, à savoir le petit raccourci qu'il y a là. Vas-y. Attendez, voilà. Caméra avait des petits soucis, du coup il avait du mal. Et là, pour passer... comme ça, ce n'est pas possible. Vous voyez, du coup, il va falloir passer par là directement. Au moins, on est bien. Bon. C'est parfait. Hop. Hop. Et hop. Alors, un autre cube. Qu'on va également activer maintenant. Allez. Parfait. Magnifique. Du coup, ça en active 2. Donc ça, évidemment, pour le 100%, ça sera nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Maître Link, je ressens l'aura de Dame Zelda à l'intérieur de cette construction. C'est plutôt bon signe. Cependant, je ressens également la présence d'une multitude de monstres. Souhaitez-vous tout de même continuer? Pas tout de suite, en fait. La peur participe à l'instinct de conversation des créatures vivantes, il n'y a pas de honte à avoir. C'est juste que je veux m'arrêter. Si le danger devient trop grand, vous pouvez toujours retourner dans le ciel pour mieux vous préparer. Exactement. Il est toujours bon d'avoir sur vous un bouclier pour vous protéger et les potions pour vous soigner. Repartons à la recherche de Dame Zelda. Oui, d'accord. Donc, je pense qu'on va pas faire de mystère, les amis, vous l'avez certainement compris. Ce qui se cache là devant est le premier temple du jeu. Enfin, certains vont dire, puisque c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, je prenais mon temps. J'ai pris le temps de bien tout découvrir. J'ai eu droit à quelques petites railleries du style épisode 4250, premier temple. Frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais plus ce que ça veut dire. Frappe... Attendez, qu'est-ce que ça dit, ça? Toi qui descends du ciel sur la terre, frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. Mais quelle étoile? De quoi tu parles? À moins qu'il parle des cubes, mais ça me paraît un peu bizarre. Je ne sais pas. Bah voilà, donc oui, le premier temple est enfin à portée de main. Ici, il n'y a rien. Comme je le disais, certains ont un petit peu raillé à ce sujet. Mais je vous l'avais dit, je veux prendre mon temps. Et c'est pas juste prendre son temps pour prendre son temps. C'est pas, voilà, je veux un cœur, c'est trop demandé, bon tant pis. C'est pas que je veux prendre mon temps juste pour prendre mon temps, c'est juste que je veux rien rater, tout bien découvrir. Du coup, on va pas totalement s'arrêter ici les amis. Et je vais en profiter pour faire juste un petit truc, vu que de toute façon on va pas commencer le temple aujourd'hui, ça je pense que vous l'aviez compris. On va retourner dans le ciel. On va retourner dans le ciel, oui. Pourquoi? Déjà je vais aller me récupérer une potion. J'adore, on s'envole quoi, directement, littéralement, c'est énorme. Avant, comment on remonte dans le ciel? Hop, wouhou! Ok, d'accord, on repart directement comme ça, parfait, bon. Ah! Maître Link! Je détecte dans le ciel l'énergie libérée lorsque vous avez frappé de l'éclat céleste les cubes de la déesse dispersés sur Terre. Ah, ils sont indiqués en fait, ça va, c'est cool. Les endroits d'où provient cette énergie sacrée sont indiqués sur votre carte. Parfait! Bon bah du coup... Ah, ils sont juste là. On les tente ou pas? On fait un épisode un peu plus long, on les tente les amis? Allez, soyons fous. Je vous conseille d'explorer ces régions de la carte. Comme ça c'est fait vu que j'y suis... Ah, là en fait je vous explique pourquoi je reviens à la base. Je reviens parce que je veux récupérer le filet.
qui me permettra de pouvoir... Hop, je suis libre. De pouvoir attraper les insectes. Pourquoi est-ce que je m'y prends maintenant? Parce qu'au plus tôt on l'aura, j'ai pas envie de passer à côté de trop d'insectes. Au plus tôt on l'aura, au mieux ce sera. Voilà ce que je me dis tout simplement. C'est pour ça que je veux faire ça dès maintenant. Alors, ça tombe bien puisque le mec, regardez, il est là-bas. Donc on va aller le sonner tout de suite. Hop, ça fait plaisir de revenir à Célestebourg, tiens. C'est pas comme si on y était il y a deux épisodes, mais ça fait plaisir. Alors, pour le sonner, c'est très simple. Non, c'est très simple. Il suffit. Voilà. Please. J'ai besoin de toi. Et du coup, il me tire une corde. Qui est trop... Voilà, merci. Et on remonte. C'est juste énorme, je trouve ça super pratique. J'adore. Moi, j'adore littéralement le principe. C'est... Regardez, c'est génial quoi. C'est juste génial. Et du coup, on va le voir. Et il aura normalement ce que nous voulons. Alors, oui. Bonjour monsieur. Et vous allez le reconnaître lui. Waouh, un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extra ordinaire. La boutique de Terry, c'est une vraie caverne au trésor. Alors prends un moment pour regarder. Ce serait dommage de repartir les mains vides, non? Le fameux Terry de Zelda Wind Waker avec ses fameux thank you, bye. Il vend des trucs vraiment bien, regardez. Alors déjà c'est quoi ça? C'est une poche supplémentaire pour ta sacoche. Tu pourras emporter un objet de plus dans tes aventures. Donc ça c'est cool. Bon, 300 rubis par contre. Donc autant dire que c'est... Par contre c'est pas donné, hein, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est pas du tout donné, effectivement. Ça, c'est un quart de cœur ou un... C'est une médaille de vie. Si tu la portes, elle aura un effet mystérieux sur toi. Non, même pas, en fait. Son pouvoir, je sais pas trop, tu le découvriras tout seul. 800 rubis. Non, mais sérieusement, vous avez vu les prix? Vous avez vu les prix? Bon. Ça, c'est une bourse plus grande. Donc ça, il nous le faudra de toute façon. Une bourse annexe. Annexe, pardon. Elle pourra transporter 300 rubis supplémentaires dans ta bourse. On va voir les tragédies du genre... Et combien ça coûte? 100 rubis, alors ça c'est pas mal. Le truc c'est qu'en fait on va voir combien coûte le filet. Si le filet nous laisse 100 rubis, pourquoi pas. Voyons voir. Ça c'est un filet à papillon. Ça sert à attraper les insectes, il y en a pas beaucoup dans le coin. Mais je suis sûr que ça te sera super utile ailleurs. Une super affaire, 50 rubis, parfait, j'achète. Donc on prend le filet à papillon. Nickel, vous pouvez attraper des petits insectes et certaines autres créatures, approchez-les avec précaution et soyez vifs. Et du coup grâce à ça, je vais pouvoir attraper les insectes à partir de maintenant pour la collection et pour améliorer les choses. Thank you. Et du coup on va lui prendre ça également. Ça on pourra transporter un petit peu plus de rubis. Au revoir les tragédies. Oui oui, tu m'as déjà dit, allez. Je prends 100 rubis. C'est pas mal comme affaire. Nickel. Ah écoutez, là pour le coup c'est magnifique, on peut transporter 300 rubis en plus. Voilà, plus 300, nickel. Génial, tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Merci beaucoup l'ami. Bye! Ouais, il ne le dit pas. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool tout ça. On va descendre, on descend à la barbare. On va... attendez. Comment on fait déjà? Non, c'est pas ça. Comment je... Ah voilà, oui, ça c'est encore autre chose, vous voyez, je pourrais avoir tout un arsenal ici. Et donc on va prendre le filet à papillon désormais, et ça marche comme l'épée. Et par contre, je sais plus, ouais, il faut juste que je le mette, paf, comme ça. Donc on va essayer de trouver un petit insecte pour le tester. On en voyait plein à chaque fois par ici. Et du coup, ça me sera très utile, comme ça maintenant je vais les attraper pour essayer d'avoir la collection. J'arrive pas à l'avoir. Je bouge mais je n'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à l'avoir. Non. Attendez, faut peut-être que j'attende qu'il se pose. Un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus comment on les a. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave pour le moment. On verra plus tard les amis. Hein. Mais enfin on verra plus tard. À Célestebourg on peut les avoir n'importe quand au final. Mais comme vous vous en doutez, dans chaque zone c'est pas la même chose. Chaque zone, on voit pas la même chose, donc autant essayer de tous les avoir. Bon, toi, je vais te prendre... Oui, de la potion de soin, je vais te la racheter vu que je l'ai claqué en début d'épisode comme un idiot. Oui. Parfait. Voilà. On va la prendre. Hop, vous avez obtenu une potion de soin. Elle vous rendra 8 coeurs. Nickel.
Oui, il va voir mon mari, il te l'améliorera. Non, non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de l'améliorer pour le moment. Pareil, le bouclier, on va pas le réparer, je pense pas. Et du coup, on va terminer, ça c'était pas prévu pour le coup, ça vous fera un grand épisode aujourd'hui. On va terminer par prendre les coffres. Je voulais absolument le filer à Papillon, comme ça au moins dans la forêt de Firon, on essaiera de tout attraper. Par contre, il va falloir que je m'entraîne, parce que là, j'ai quand même bien fait de la merde. Mais voilà, au moins on l'a ce fil à Papillon. À Célestebourg, c'est pas gênant, on y repassera tout le temps à Célestebourg, donc c'est absolument pas grave. Mais pour les zones, au moins, autant commencer à prendre de l'avance. Alors du coup, faut que j'aille, on va regarder la carte. Ça c'est cool de savoir où c'est. Je peux placer un marqueur? Comment je place un marqueur déjà? Je sais plus comment placer un marqueur. Le mec il retient rien, il retient rien. Je sais même plus comment placer un marqueur. Sérieusement, allez-y, tapez-moi, vous avez le droit. Vous avez largement le droit de me taper. Enfin, je crois que je vais quand même dans la bonne direction. Oui, c'est bon. Donc c'est cette petite île là-bas. On va y descendre en piqué. On va prendre les coffres. Il y a possibilité d'avoir des quarts de cœur, je pense. C'est bien elle. C'est bien elle. Vas-y, mon gars. Ralenti. Et vous voyez, regardez. Parachal, voilà. Et celui-là, du coup, maintenant, on peut l'ouvrir. Il n'a pas exactement la même couleur. Magnifique. Et du coup, nous avons un fragment de cœur. Il vous en faut 4 pour augmenter votre énergie vitale d'un cœur. Plus qu'un. Bah écoutez, magnifique. Avec un tout petit peu de chance, on aura encore un fragment de cœur. Donc, évidemment, vous vous en doutez, hein, c'est quand même des beaux trucs à chaque fois. C'est quand même des beaux trucs. Et du coup, ah, mais du coup, l'autre, c'est à la citrouille. Ouais, c'est à la citrouille perchée, l'île aux citrouilles, très bien. Allons-y. Ça au moins. C'était pas prévu et je ne ferai pas ça à chaque fois, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que le... Aïe. Le temple, comme vous vous en doutez, ça va être long. Je voulais pas le démarrer aujourd'hui alors qu'on était déjà à 25-30 minutes de vidéo. Voilà. Je préférais remonter, prendre de la potion, ainsi que le filet. Et bon, tant qu'à faire les coffres, si on peut avoir un cœur en plus. Je pense que ça peut être aussi beaucoup de rubis, possiblement. On va voir. On arrive, on connaît bien cette zone maintenant. Pour avoir récupéré un quart de cœur. S'il y a deux quarts de cœur sur cette île, fragment de cœur, pardon. Je sais pas, ça me paraît beaucoup. Mais en même temps, c'est peut-être vrai. Bonjour. Vous avez vu comme je vole proche du truc. Ok, et donc le coffre, on vient de le voir, il est juste derrière. Alors attention, suspense, qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! C'est cool! Une poche à votre sacoche d'aventurier. Vous pouvez ranger un objet supplémentaire. Voilà, donc c'est très pratique. Parce que du coup, oui, on a la sacoche comme ça, avec les objets supplémentaires. Mais ensuite, on a également, comme je vous le disais, la zone des objets ici. Donc voilà, on a pas mal de choses. Bon, c'est pas un fragment de cœur, mais c'est quand même sympa. Et honnêtement, je préfère l'avoir gratis comme ça plutôt que payer 300 balles à Terry. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, et puis comme ça au moins on commence à récupérer les coffres. Faudra que je vois pour les insectes les fois prochaines, même si dans le temple je suis pas certain que ce soit les insectes qu'on verra. Les temples qui sont assez longs, hein, je sais pas si un épisode suffira, je ne pense pas. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, on va se quitter sur la redescente sur Terre. Voir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Parce que vous allez voir, du coup je vais pouvoir sélectionner. Ah d'accord, il m'a lâché tout seul. Je crois que je vais pouvoir sélectionner l'endroit où je vais atterrir, hein. C'est ça. Maître, Fire Rapport. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où vous désirez atterrir parmi les statues d'oiseaux que j'ai mémorisées. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir. Ouais. Alors, du coup, par contre, pour le coup, Belvédère, Temple de la Forêt. Vous voyez, il n'y a pas toutes les statues qu'on a vues, parce que j'ai pas cliqué sur toutes les statues, je crois que c'est ça. C'est seulement les statues qu'on a déjà ouvertes. Enfin, je crois. Enfin, bref. Dans tous les cas, voilà, on arrive au Temple de la Forêt, on devrait arriver normalement en chute libre, c'est ça. Parachal. Hop, et nous y sommes, on est revenu comme si de rien n'était. Et ben voilà, les amis, c'est sur cette petite descente bien sympa qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain, on attaque le temple de la forêt, le premier temple du jeu, de ce long jeu qu'est Zelda Skyward Sword.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à laisser un j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça récompense un petit peu le boulot. Merci à vous d'être aussi fidèles à cette série. J'espère que ce grand épisode vous aura fait plaisir. Il y en aura d'autres. Et rendez-vous très bientôt donc pour la suite. Allez, ciao les copains.